président. Madame la présidente de la promotion des femmes, Excellence, Monsieur le secrétaire général, Excellence, Monsieur le trésorier général, chers militants, militants et sympathisants de PJP Génération Boumara, ce jour autant qui a un sens considérable. Ceci étant, notre rencontre s'inscrit dans le cadre de rassembler tous les militants de PJP Génération Boumara se trouvant en Côte d'Ivoire. Au nom du peuple nigérien, nous vous remercions d'avoir répondu si massivement à notre appel pour s'exprimer notre attachement à un monde de valeur, de paix, suspect de changement et de développement de notre beau pays qui est le Niger. Ce grand monsieur du nom de son excellence Sani Djoubo n'est plus à se présenter car il a posé des actes significatifs allant dans le développement de notre beau pays. Pour cela, pour un bon changement et la prospérité de notre pays, nous choisirons son excellence Sani Djoubo. La démocratie privilège et donne la finalité du peuple. C'est pour cela que la diaspora veut donner le pouvoir à ce monsieur travailleur bâtisseur de la nouvelle nation avec la nouvelle génération. La génération Douara est consciente et elle milite fortement à solliciter un dirigeant. C'est une génération dont il est question de considérer et donner l'importance à tous les âges, mais rassemble tous les Nigériens concrets, soucieux de notre devenir commun, convaincus que notre pays peut sortir de la spirale infernale du sous-développement chronique. Avec tout, entre autres, les querelles partisanes, la corruption, l'analphabétisme, la société et la pauvreté grandissante. Cette génération fait allusion à la catégorie des Nigériens capables de se donner les mains pour transformer le Niger en lui donnant un nouveau visage. Une nouvelle gouvernance collective fondée sur la concentration, l'inclusion, l'éthique et la solidarité. Génération Douara veut faire la politique autrement, sans attaque ni insulte envers qui que ce soit, en reconnaissant et valorisant les acquis du passé. La contribution positive est tout un chacun de la construction de la nation nigérienne en proposant un projet de société qui rompt définitivement avec les pratiques politiques négatives et qui s'invitera à mettre en place une gouvernance juste et équitable pour une vie meilleure pour tous. Nous prenons notre confiance à son excellence Sani Djoubo pour donner l'espoir à un lendemain meilleur. Nous demandons à Allah Tout-Puissant de soutenir et faciliter cette tâche si difficile à notre leader charismatique. Merci encore à toutes les personnes venues assister à notre rencontre. Soyons tous positifs. L'homme est le maître de la nature, comme disait le philosophe français. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci bien. Après avoir bienvenu. Le fond de Caïn, c'est nous que de voir. Merci.